se rajeunit. Ah bah c'est certain. Voilà mon cher. Mais il te compense par l'expérience souvent. On verra. Émilie Vol, elle aussi, qui s'apprête à devenir l'une des grandes de l'équipe de France avec Elvire Teza. Très beau mouvement. Oh oui, ça doit y avoir corps carpé, les jambes serrées. Elle était aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Elle a beaucoup observé les Américaines. Et elle s'est inspirée aussi de la précision chinoise dans cet appareil. Voilà, un super mouvement d'Émilie. Émilie qui est certainement l'une des plus talentueuses de notre équipe de France, qui a certainement les plus grandes qualités physiques et qui, quand elle le veut, est capable vraiment du meilleur. Mais elle ne le veut pas toujours, malheureusement. Ah, beaucoup de personnalités. Regardez l'envolée sur ce lâcher. Oui. On va admirer le catch-chef immédiatement après. Vous remarquerez l'amplitude. Et elle est entraînée par un entraîneur chinois à Saint-Étienne, Émilie Vol. Voilà. Beaucoup de qualités athlétiques. Et puis, je vous l'ai dit, un caractère bien trempé qui fait de cette jeune fille. Alors là, c'est l'élévation très haute en sortie de...